Ouais, petit dindon. Ça va, vous? Ah, comme c'est beau. Ah, je t'aime, comme c'est beau. Voilà. Voilà. J'avais fait une première vidéo sur ce qui m'arrive. Les yeux dans le noir. Je donnais. Je sais pas. Je sais pas, la vidéo ne m'a pas satisfait. Et en plus de ça, j'ai eu peur qu'elle rende triste. Tout simplement. Ça a déjà rendu triste ma femme et mes enfants. J'ai peur que ça rende triste ma soeur. D'accord? Donc, ma soeur, si tu passes par là, coupe la vidéo. Sinon, je vous explique ce qui m'arrive. Ça fait maintenant 10 jours. 10 jours que je me mange une migraine type pour la douleur, pour te montrer un petit peu comment ça se passe. La douleur, c'est genre une migraine ophtalmique. Tu vois le truc ou pas? Je sais pas comment t'expliquer ça, c'est comme si t'avais une migraine ophtalmique, une rage dedans, une pression dans la tempe, tout en même temps quelqu'un qui t'essaye de te tirer en arrière et qui t'essaye de te mettre des petits watts comme ça dans les yeux. Alors, au début, je me suis dit vas-y, j'avais fait du squat assez lourd, je me suis écrasé un nerf, du coup ça tire derrière. Premier jour, je me suis dit putain quand même, c'est piquant. Hein. Deuxième jour, eh, c'est supra piquant, carrément je pleure. Je me roule par terre, je me mets des coups de poing, comme j'expliquais à dire, qu'en fait quand je mets un coup, au moment du coup, vu que c'est une autre douleur, ça stoppe la douleur. Mais bon, au niveau de l'impact, donc au moment de l'impact, coupure, hop, plus mal. Mais tellement la douleur, elle est insupportable, que ouais, j'étais prêt à ça, j'ai arrêté parce que je m'abîmais le visage. Voilà, et puis beau comme je suis, vous le savez. Donc voilà, c'est une maladie. Qui serait chronique ou épisodique. Le problème, c'est que vu que moi je suis dans mes tout débuts de cette maladie, d'accord? Comme tu l'as vu dans le titre, la maladie c'est l'algie vasculaire de la face, AVF. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est tu souffres et tu fermes ta gueule avec cette grosse pute. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que cette maladie, ce n'est clairement qu'une pute, d'accord? Tu sais pourquoi? Ça, je le reprends dans. Un mec, parce que je regardais des vidéos au début, j'étais pas bien, tu vois. Je le reprends de lui. C'est elle te donne rendez-vous. Ah ouais, tiens-moi comme c'est beau. Elle te donne rendez-vous en fait tous les jours à 11h, enfin ça, à 10h30. Mais là, c'est comme de plus en plus tôt. Là, tu vois, je te fais la vidéo et il doit être tout juste 10h. J'ai déjà le tambourinage. En gros, ça commence à se prendre tout doucement. Ça monte, ça monte, ça monte. Ensuite, ça vient là. Moi, ça gonfle mon arcade, tu vois. Et tout doucement, ça fait ça. Jusqu'au moment où ça fait. Comme ça, t'en as qu'on ces crises. En gros, après voilà, ça te prend tout l'intérieur, ça te descend un peu, ça fait ça. Ça fait comme si tu mettais ta main sur ta tête, voilà, comme ça. La douleur, c'est ça. Le pouce qui monte, la main qui tire en arrière. Et clairement, c'est des gros coups de doigt dans les yeux, comme si on t'attrapait le nerf optique, on te faisait ça, gna, 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 tu vois. Vraiment les pires dingueries. J'ai été voir, elle s'appelle aussi la migraine du suicide. T'inquiète pas, ça fait 10 jours, j'ai compris. J'ai compris de ouf. J'ai compris. C'est très mal documenté. Parce que les neurologues, en gros, ils te disent on ne sait pas comment c'est arrivé. Ça arrive automne, ça arrive pendant le printemps. Ça serait par rapport au soleil. Taras. Ça arrive comme ça. T'es pas forcément prédisposé à l'avoir. Oui, non, 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 ouais. Donc voilà, moi j'ai 40 piges, je chope ce truc-là. Et je te cache pas que c'est, je crois, la pire douleur que j'ai eue de toute ma vie. Avant-hier, ça fait 2 jours parce que j'ai fait la vidéo et je l'expliquais dedans, j'ai pleuré de joie. Je sais pas si tu imagines, comme j'ai dit, hein, on s'est déjà fait casser la gueule, on a déjà eu des choses cassées, on a eu des grosses douleurs, on est tombé de haut, notre crâne il a sauté en l'air. Il nous est tout arrivé dans la vie une fois que tu as 40 ans, tu vois. Donc tu sais ce qui te fait mal, ce qui te fait pas mal et tu peux le jauger sur une échelle de 1 à 10, tu vois, dans la douleur. Donc toutes les fractures, les blessures, les souffrances actuelles, je pourrais les mettre de 1 à 8 max. Et encore 8, c'est beaucoup. 1 à 6 de tout ce que j'ai eu, tu vois. Les coups de cutter, tout ce que tu veux, ça jamais dépassé 6 en douleur, tu vois. J'ai eu des calculs rénaux. Calculs rénaux, c'est mon 6-7, tu vois. Calculs rénaux 6-7, tu vois, je peux le comparer à ça. On m'a dit, ouais, c'est une douleur de ouf. Je te jure, le calcul rénaux, c'est une tapette à côté de ce que j'ai là actuellement. Je vais mettre là parce que là-bas il y a des gens. Bien sûr, vous allez mieux me voir. Puis vous allez voir cette vue de ouf. C'est beau. Hein? Voilà. Donc ouais, les calculs rénaux comparés, c'est une franfreluche le truc. Ah ouais. Là, je lui mets 10.
dans sa période où le pic est le plus haut, je mets 10 en douleur. Je peux pas mettre moins. 10. Je me roule par terre, je me tape, je me frotte le sol comme ça, tu vois. Et en gros, il existe traitement par oxygène, oxygénothérapie, tu vois. Et encore, ça c'est ultra particulier. J'ai toujours pas accès à ma bouteille d'oxygène. Pour te dire, ça fait 10 jours. Ça fait maintenant 4 jours que je suis diagnostiqué AVF, algie vasculaire de la face. Et on m'a toujours pas. Ils peuvent toujours pas me donner une bouteille d'oxygène parce que c'est pas un neurologue qui l'a prescrit ou un médecin de la douleur. C'est juste un médecin. Voilà, voilà, voilà. Les symptômes sont là. On ne peut pas se tromper, hein, au bout d'un moment. Donc j'ai pas accès à l'oxygène. Donc la pharmacie, elle a fait en sorte, franchement la pharmacie, elle se dépouille pour qu'à l'hôpital, le neurologue me fasse une ordonnance pour que j'accède à mes bouteilles. Franchement, ils sont adorables, elles se dépouillent. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un se dépouiller. Et c'est la première fois de ma vie que quand je vois un. Comment ça s'appelle? Déjà le médecin qui m'a diagnostiqué ça, elle avait une tête et genre choqué. Choqué. Et à chaque fois qu'on me croise, que je dis que ce que j'ai, un professionnel de santé me dit oh, bon courage. Courage qu'il faut, mon gars, c'est. En fait, je pense qu'il faut être super con. Plus t'es con, moins t'as mal, j'en suis sûr et certain. Comme je suis super intelligent, c'est pour ça que j'ai super mal. Non, c'est faux aussi. C'est faux aussi. Donc, ouais, je sais pas combien de temps ça va durer, mais pour te dire à quel point c'est incapacitant et moi, ça me fait pleurer parce que j'ai l'impression de détruire ma vie. Tu vois, je suis auto-entrepreneur. J'aurais pu avoir des chantiers à 2000 balles la semaine et je peux pas les faire actuellement. On arrive en fin d'année, je peux pas faire mes chantiers. Je peux pas. Je peux pas parce que je peux rien tenir dans mes mains sauf pour me taper avec. Je vous cache pas que si j'ai une pince, je vais me taper avec la pince. Tu peux pas te contrôler. Tu peux pas t'en empêcher. T'es dans une matrix qui te fait littéralement péter un câble et qui te rend complètement fou. Et j'ai pas d'autre mot. Ça te rend complètement fou. Donc t'es obligé de te taper. T'as tout ce que tu trouves sous ta main, tu te tapes. Alors souvent, ce que je fais, c'est comme là. Je prends ma seringue et dans le sac, je te montre. Je prends ma seringue. Voilà, j'ai une boîte neuve. Hein. Tu vois, tac, c'est là-dedans. Je prends ça. Je vais m'injecter sur la plage. Comme un grogué. Ah, ta race sort de là. Montre là. Voilà, tac, t'appuies sur le bouton, tu mets sur ta cuisse. Ça rentre. Franchement, ça fait pas mal, c'est rapide. Sauf que tu vois, ça, moi, je pensais que c'était un produit miracle. Que quand j'allais me le mettre, hi-ha, j'ai plus rien. C'est faux. C'est faux, ça fait pas ça du tout. Ça t'aide à t'accompagner dans la douleur. Tu vois le truc? En aucun cas, moi ça stoppe la crise. Genre ça me la rend moins puissante. Voilà ce que ça fait, moins puissante. Je sais pas si tu imagines, sur une échelle de 1 à 10, t'as une douleur de 10, le truc il tombe à 9 quoi. Alors ouais, 8, peut-être 8, parce que peut-être je suis une franfreluche, je ne suis qu'un homme. Ou peut-être que. Peut-être que juste à ma compagne, j'ai vu des vidéos de gens où ils sont la picouse. Ah, genre une demi-heure après, ils sont bien. Waouh, on n'a pas les mêmes crises. Après, ces gens-là n'ont pas la même. Moi, ma crise, elle commence à 11h et a fini généralement vers 15h. Tu vois, j'ai eu des pics, j'ai eu 2 jours où il y a eu des pics où une fois ça a fini vers 16h30. Tu vois, donc pour chercher mon gamin à l'école, c'est une tannée. Hier, il avait foot. Je te cache pas. On est parti à 14h30 parce qu'on habite à côté, on est parti à pied tranquille, tu vois. Et encore, on est parti beaucoup plus tard que ça. J'attendais la fin caché dans ma chambre. Parce que je veux pas que mon petit dernier me voie dans ces crises. Parce que il m'a vu une fois à genoux, il me dit mais tu fais quoi à genoux? Je dis non, je cherche quelque chose. Avec des larmes et la tête toute rouge et toute gonflée. Ah le petit bonhomme, il m'a regardé, il m'a dit wow, il est chelou mon papa là, qu'est-ce qui lui arrive? Normalement il fait toujours le mec balèze, et là il est par terre comme une vieille franfreluche. Ouais. Bah oui fils. Donc ce qui. Bah voilà. Tu vois, je sais qu'il. J'en parlais, comment ça m'incommode. Donc ça commence pile poil à 11h. La grosse douleur c'est 11h, 15h. Voilà. Et je te dis, l'autre c'était dimanche. Dimanche j'ai eu une douleur. Elle a commencé 9h30. Je dis, putain, elle est en avance de ouf. Mais supportable, genre au niveau 5. Son pic à 11h. Mais elle a commencé tôt et s'est arrêtée vers 18h30, s'il te plaît. Ah ouais, ça s'est arrêté vers 18h30. Et tu vois là, plus je marche, plus je la sens arriver. Et puis si tu le. En fait, tu la sens arriver comme un. C'est au galop quoi, c'est. Minute après minute, la douleur monte. Tu vois là, actuellement, tu sais que je m'approche tout doucement de l'heure où je vais devoir m'injecter ma picouse.
Parce que sinon, si j'injecte trop tard, j'ai pas l'impression que ça fasse effet du tout. Bon, même quand j'injecte à 10h20, tu vois, pour 11h, à part juste m'éclate. Oh, putain, la picouse, comme elle m'éclate. Je sais pas si tu la donnes à un humain normal, c'est qu'il n'y a pas la douleur, parce que je pense que c'est la douleur qui nous maintient debout. Je sais pas si tu vois le délire. Tellement de produits, je sais pas s'il est fort ou pas. Tu vois, c'est 6 mg de sumatriptan, t'as vu le truc? Je sais pas si c'est ça qui te maintient debout ou pas. Tara, c'est pour voiture. Putain, je suis pris le seul chemin, normalement il n'y a personne. Faut être tranquille. Donc voilà. Voilà ce qui m'arrive actuellement. Je suis atteint d'algie vasculaire de la face. Je vous filmerai pas une crise au total. Parce que j'ai déjà vu des vidéos de gens qui font ça. Vas-y, à part rendre triste les gens, je vois pas ce que la vidéo peut faire. Du coup, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de commenter mon pseudo-combat contre ça, à ma façon. Tu vois, on va continuer à essayer d'en rire, à essayer de l'insulter, cette grosse pute. Voilà, et de voir qui c'est le plus fort, elle ou moi. Voilà. Parce que moi, j'ai pas envie d'abdiquer, j'ai pas envie de craquer. C'est pas parce que tu t'appelles la migraine du suicide que je vais faire une dinguerie. Tu vois, malgré que ça fait que 10 jours, j'imagine, il y a des gens. Depuis 2000, ils ont ça. Ça fait plus de 20 piges qu'ils ont cette maladie. Et c'est que depuis très peu de temps là qu'il se passe des choses. Il existe un traitement. Il existe un traitement apparemment efficace qui est OK dans toute l'Europe. Qui est OK aux États-Unis, Canada. Il est OK. Il coûte 500 euros par mois. Ouais, c'est vrai, c'est 500 balles par mois. Tu vois? Mais moi, je suis prêt à les mettre si ça part. Je suis prêt. Mais de ouf, même me piquer les couilles carrément, faut que la piqûre passe par là pour que ça s'arrête, sinon je veux pas que ça continue. Donc ouais, et en France, bah non, c'est interdit en France. Pourquoi? Parce que je crois que c'est entre le laboratoire et l'État français, il y a un problème avec le remboursement ou je sais pas quoi. Donc en France, encore une fois, on est les seuls en France à pas avoir le droit d'être prescrit de ça. Du coup, c'est vrai que là, pendant que je vous en parle avec ma petite soeur qui vit en Belgique, la Belgique c'est quand même bien plus ouvert au monde, c'est la vérité, je me rends compte avec tous ces récits. Ou la Suisse, mais je connais personne en Suisse. Mais par contre en Belgique, ouais, si la Belgique, je sais pas si toi tu passes par là, tu sais que tu prescrives peut-être autrement, et je sais pas si en tant que Français je peux me faire prescrire cette ordonnance par un neurologue belge, je sais pas du tout. Tiens, je vais me renseigner. Toi, si t'es au courant d'un truc comme ça, tu peux me dire, ça commence là. Regarde. Là, je commence à être bouffi. Là, je commence à être lourd ici, là. Regarde la cerne de fils de pute. Regarde comment ça commence à être gonflé. Regarde comment ma tête est en train de changer côté gauche. Waouh! Il faut que je regarde l'heure. Ah, je peux pas voir l'heure, je fais la vidéo. Alors que je m'injecte là. Je te cache pas, je vais me mettre dans un coin. Il faut que je m'injecte ma picouzasse. J'avais repris le sport à fond, j'étais bien. Le football, la vie, quoi. Et tout est annulé. Mon fils, il a plateau samedi matin, mon tout petit dernier. En plus, il a du ballon, c'est beau à regarder, j'aime trop. Un vrai petit anglais solide et puissant. Putain, ça gonfle de plus en plus. Tes mains. Oh là 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 là. Je vais faire comme je fais d'habitude. C'est parti, je vais commencer à se cacher tout doucement. Ouais, là, je commence à souffrir. Là, je ne le cache pas. Là, je commence à avoir mal. Là, j'ai envie de commencer à crier. J'ai l'œil qui commence à pleurer, j'ai pas pris de mouchoir. J'ai le nez qui commence à. Oui, parce que oui, t'as la bouche qui gonfle, t'as la tête qui gonfle un peu, j'ai l'arcade ici, elle devient bosselée carrément. J'ai le nez qui coule, je sais même pas pourquoi, je suis pas enrhumé. T'as le nez qui coule, t'as l'œil qui pleure. Ah, ouais, mon pote, c'est un florilège de trucs de merde. Et qui, à 15h, je vous jure que c'est vrai, à 15h, le pourquoi j'ai pleuré, parce que je mélange tout, parce que ça fait du bien de vous parler, ma petite commu, comme je dis, j'en parle pas trop à ma famille, mais je vous en parle à vous. On est 1200 et je sais que vous êtes 1200 personnes. En général, qui me font des retours assez bienveillants et qui font plaisir sans trop. Vous pouvez même me juger ou quoi que ce soit. Je sais qu'en général, vous me faites du bien. En général, vous me faites du bien. Ma commu déchire, vous êtes déchiré. Je sais même plus ce que je dis. Mais j'en perds aussi la mémoire. Je suis sûr que le produit est pas sain, à 100%. Tu vois? Donc, ouais, là, je vais aller m'injecter au bord de la plage là-bas. Il faut pas qu'il y ait du monde. On va prendre pour un psychopathe. Hein. Au mieux, un diabétique. Ce serait trop bien, un diabétique. Là, je valide. Que ça passe plus normal, hein. Mes petits dindons, je vous laisse là et voilà. Je souffre d'algie vasculaire de la face depuis maintenant 10 jours, 11 jours, je sais pas exactement. Ça a commencé un peu avant parce que j'avais un peu mal ici, mais sans plus, juste comme une bosse parce que je m'étais jamais cogné.
Yeah, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai squat. Je squat. Franchement, j'étais à 110 kilos quand même. Tu vois? Avec mes petites gambettes. Alors que j'avais pas fait de séance jambes depuis des semaines. Bref. Tu t'en fous. De toute façon, on se retrouvera à la salle. Je vais vous faire des vidéos de comment vivre avec cette pute. Et de comment je m'adapte à la salle de muscu. J'ai pris des épaules de ouf. Comment je m'adapte à la muscu malgré la maladie. Parce que ouais, faut s'adapter. Plein de choses que tu peux plus faire. Bah ouais. Bah ouais. T'es fragile un peu. Et je te dis, à chaque injection, je suis niqué comme jamais. Oh putain, il y a une classe scolaire qui se promène. Oh. Alors je me trouve un autre endroit. Dommage, c'était grave joli ici. Bon, je m'arrête là. Ça fait 15 minutes que je vous parle de ça. Prenez soin de vous. Des gros bisous à votre famille. À bientôt la commu. Ouais.